qu'un château de cartes s'écroule. Il suffit d'en retirer une seule. En ma qualité de mairesse d'Irénée-les-Neiges, je tiens à rappeler la force qui règne sur ces terres fragiles mais paisibles. Mais je vois aussi une belle résistance. Un drame comme celui qui a secoué votre petite communauté. Les gens savent que ma porte est toujours ouverte pour eux. C'est pas normal ce qui est arrivé à Simon. Comment vous faites pour ça, travail? Connaissez-vous la vieille maison au bout de la 186? Moi, je toucherai pas à ça. Il y a une mauvaise énergie dans cette cabane-là. Les silhouettes. Ouais. Si jamais il y a quelqu'un qui te veut du mal, on va trouver, OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, eux autres? Ça va peut-être passer. Peut-être. Si vous voulez, griner les neiges, ça nous ouvre. Les autorités sont au courant et la situation évolue rapidement. On ne rapporte aucune violence. Vous allez probablement continuer de voir ces apparitions. Le village, c'est 215 personnes. Et je connais chacune de ces personnes. En tout respect, on n'a pas besoin de votre aide. L'humain s'adapte. Les gens vont bien. Vous venez de Montréal, vous, hein? Oui, mais on m'envoie régulièrement dehors. Ah, ben oui, c'est ça. On est en dehors, nous autres.